C'est l'une des pâtisseries préférées des Français. Une onctueuse crème pralinée entre deux disques de choux. Le Paris-Brest a été créé un jour d'été, mais il se déguste en toute saison. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage pour vous livrer tous les secrets du Paris-Brest. La forme est ronde. Alors ça, c'est un pâtissier de Maison Lafitte qui avait créé cette recette. Et depuis, c'est resté une spécialité et un incontournable de la pâtisserie. Le Paris-Brest est à l'origine une course de vélo. Créée à la fin du 19e siècle, c'est l'une des plus anciennes épreuves cyclistes du monde. De Paris, pour aller jusqu'à Brest, les participants amateurs devaient passer devant cette petite pâtisserie de Maison Lafitte, à 30 km de la capitale. Cette année, on fête les 110 ans de la création du Paris-Brest. Le Paris-Brest a été créé en 1909 par mon arrière-grand-père. Et mon arrière-grand-père a décidé d'inventer ce gâteau qu'il a appelé Paris-Brest au nom de la course de vélo, rond en forme d'une roue de vélo. Voilà donc la véritable explication. Car au début du siècle, les Parisiens moqueurs prétendaient que la forme circulaire du gâteau symbolisait le soleil absent sur les chemins bretons. Il faut dire qu'en 1909, la course s'est déroulée en partie sous la pluie. Le Paris-Brest n'est pas seulement une pâtisserie ni une course de vélo. Il est aussi une ligne ferroviaire inaugurée en 1845 et qui a marqué l'histoire des deux villes. Le train a permis la migration de milliers de Bretons venus chercher du travail dans la capitale. Ils arrivaient, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de formation, ils parlaient mal le français. Ça a été justement la force de la Bretagne, de savoir parfois dépasser ce côté bout du monde pour aller vers l'extérieur, vers les gens, vers d'autres pays. À Paris, quand il fait gris. Point. Et le gris est gris. Alors qu'en fait, en Bretagne, vous avez une espèce de camailleux de gris. Parce que c'est du gris clair. Les Bretons sont intarissables sur leur région. Direction justement la Bretagne et son climat à la fois doux, humide et ensoleillé qui permet la production de beurre et donc de bonnes pâtisseries. Et en ce moment, sur les marchés, on constate que le prix du beurre flambe, environ 15% de hausse. Comme il pleut de moins en moins, l'herbe est moins verte avec la sécheresse. Du coup, les vaches ont une nourriture moins riche. Comme la nourriture est moins riche, le lait est moins riche. Et il faut plus de lait pour faire de la crème et pour après faire du beurre. C'est pour ça que le beurre augmente beaucoup. Bienvenue à Brest, chez un autre amoureux de cette pâtisserie. Jean-Hervé utilise le beurre pour la réalisation de la pâte à choux. On lui a décerné en 2010 le prix du meilleur Paris-Brest de Bretagne. Les coureurs du Paris-Brest-Paris, en général, on les croise de temps en temps sur le bord de la route l'été, là, pendant la course. Mais on espère qu'ils s'arrêteront un jour déguster nos Paris-Brest aussi. Avec du bon beurre breton. Ah, ici, le beurre, vraiment, ça fait partie de la base de la cuisine. Toutes nos matières grasses viennent de Bretagne. On utilise du beurre de chez nous. Et forcément, on utilise du beurre de micelle pour beaucoup de recettes, sauf pour la pâte à choux, exceptionnellement, où là, on met du beurre doux. Donc la pâte à choux est réalisée sur une base donc, de beurre, de l'eau, avec un mélange de farine, avec du sucre, un petit peu de sel, bien asséché la pâte à choux. Et ensuite, on incorpore les œufs. Bon, là, il y a le pâte. C'est vraiment à ce moment-là qu'on sait si on a réussi une pâte à choux ou pas. Il faut qu'elle tombe légèrement. Si elle coule, elle sera loupée. Si elle ne tombe pas du tout, elle sera loupée aussi. Il ne reste plus qu'à dresser les cercles de pâte à choux saupoudrés de quelques amandes effilées. On peut rajouter des petites pistaches, des noisettes, des amandes entières dessus, ce qui donne vraiment un petit goût croustillant en plus. La recette traditionnelle, c'était des amandes effilées comme ça. De retour en région parisienne, on retrouve Stéphane. Il est le gardien de la recette historique inventée par son arrière-grand-père. Il n'a jamais eu de brevet déposé parce qu'en 1909, ça ne se faisait pas. Et ensuite, eh ben, la réputation a fait que les gens venaient de partout pour goûter au Paris-Brest. Effectivement, d'autres pâtissiers ont voulu essayer de faire le même gâteau. Le Paris-Brest est copié, il est imité, comme on dit, mais jamais égalé. Voilà, donc là, vous pouvez voir... comment il garnit le Paris-Brest, donc avec une crème pralinée spéciale de chez nous. On ne vous montrera pas comment on fait la crème. Une pâte à choux, ça reste une pâte à choux comme tout le monde. Mais notre secret, c'est la crème pralinée. À Brest, Jean-Hervé est moins soucieux de conserver sa recette de crème pralinée. Sa base, de la crème montée au batteur. Voilà,
Bon, là, il a une crème bien montée. Et on voit, elle est très serrée. Ce qui va nous permettre d'avoir un Paris-Brest, en fait, avec une bonne tenue. Il y ajoute un mélange de praliné et de crème pâtissière, une garniture complexe qui fait toute la gourmandise de cette pâtisserie. Quand on y incorpore du praliné et de la crème pâtissière, ça va l'adoucir, l'alléger et la rendre encore plus crémeuse. C'est vraiment un indémodable de la pâtisserie. On en fait nous, tous les jours de la semaine. Les gens se régalent avec ça. On sent fondre le goût de noisette, le goût d'amande à l'intérieur torréfié qui vraiment ressort du Paris-Brest et c'est ce qui fait son succès.